Ah voilà, et voilà, et voilà. Et là, tu dis de la merde, et tu deviens de la merde. Voilà. C'est ça le problème, tu vois. Quand tu commences à... Quand tu commences à ne plus comprendre ce que tu dis toi-même... Oh, ça va mal se passer. Ça va mal se passer. Et c'est bon, ça vient du grec ancien qui veut dire bonjour. Mais d'habitude on le dit seulement le matin. Donc, je suis le seul à avoir vu un truc suspicieux sur la tête de Isaac. Ah mais non. T'as mes mains, t'as maman ce chapal. Qu'as-tu vu? Qu'as-tu vu? Dis-moi, parce que là je dois dire que pendant... Qu'est-ce qu'il raconte lui? Non, je te jure, j'étais un petit peu possédé parce que là, j'ai eu peur. Comme je ne vois pas ma vie, je suis angoissé. Très angoissé. Très, très, très angoissé. Donc là... Non, mais c'est pas grave, ça. Ne dis pas ça, tu t'es pas obligé de sortir, chevalier, non, t'es pas obligé. Tempérance. Ah! On va péter cette machine. Bon, alors là, vous voyez, la prochaine étape, c'est Mum. La prochaine étape, c'est Mum. Et à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, je vais m'étirer. Ah oui, quand il a sorti son parchemin. Ah oui, mais oui, bah j'avais un, je devais avoir un soutien-gorge sur la tête, je pense. C'est un truc aléatoire. Oui. T'as sûrement vu ça? J'aime trop tes émoticônes, Zé. Zé, suis jaloux. Bon, allez. Sans plus tarder. Ah, mais c'est pas encore là. Oh là là, mais c'est pas encore là. Il a eu peur. Il a cru avoir peur. Il a eu peur pendant 2 secondes. C'est pas Mum. Je pensais que c'était Mum. Et vous voyez. Fais gaffe, il fait froid dehors. À mon avis, il va cut le stream ici. Je sais, je prends ma veste. Et il va dire la suite après la pub. Non, non, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça, enfin. Je n'ai pas vendu mon âme au diable. Et accepter la publicité, enfin. Mon Dieu! Qu'ai-je fait? C'est terrible. Ce qui vient de se passer, ce qui vient d'arriver à l'instant est terrible. Je ne voulais pas du tout faire ça. J'ai pris un objet qui va me pourrir la vie. Parce que, en fait, c'est toute ma vie. Mais j'ai plein de vie, en fait. Mais c'est bon, mais la vie. La vie chante. En fait. Ah mais tout va bien en fait. Bon, la bonne nouvelle c'est que le stream va se terminer sans souci en fait. J'ai longtemps eu peur, mais en fait tout va bien. Tout va bien mes amis, je suis là, tout va s'arranger. Ah! On est présent. Alors cet objet de barre d'espace, je ne sais plus du tout ce qu'il fait. Et donc voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai voulu piffer, hein. J'ai piffé et j'ai testé. Et en fait, ça fait un brimstone. Ah. D'accord. C'est très très bien. Waouh. Philosophie Hakuna Matata. Philosophie. Hakuna Matata. La vie c'est bien, mangez-en. Voilà, c'est comme le cochon. Tout est bon dedans, tout est bon. Prenez-en avec tout. Sachez. Je sais pas. Je sais pas. Pour tout vous dire, je n'en sais pas grand-chose. J'ai oublié le script à la maison. Ah mon Dieu! Mais avec un peu de sel. Mais oui. Parce que le sel, c'est bon. D'ailleurs, j'adore le sel. Et oui. Et avant, je mangeais beaucoup plus de sel, d'ailleurs. Serait-ce une coïncidence? Je ne crois pas.
Pourtant, c'est... C'est vrai, je mangeais plus de sel avant. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Que faut-il en penser? Je ne sais pas. Est-ce que la météo sera bonne demain? Est-ce que nous mangerons des pommes? Rien n'est moins sûr, rien n'est moins sûr. Par contre, ça, c'était désagréable. C'était vraiment désagréable. Mais donc, voilà, ce qu'on peut dire, c'est que... Tant que la météo est bonne, eh bien... philosophie. Voilà. Toi, t'es en train de me les briser, là, quand même. Hein. Oui. 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 Tears up. C'est très très bien, Tears up. C'est très très bien. C'est vraiment, c'est formidable. C'est la vie géniale. Et en fait, est-ce que lui, on pourrait le buter? Est-ce que vous pensez pas que ce serait une très bonne idée? C'était du sel aux frites, du sel aux pâtes, etc. Oui, oui. Oui, oui, c'est ça, oui. On va faire comme si c'était ça. Et sinon, qu'est-ce que vous mangez de plus avec vos pâtes et votre sel? De l'huile. Je mange de l'huile. Le type qui se nourrit exclusivement d'huile. Oui. Allez, je te défonce. Une petite défonce entre amis, ça n'a jamais fait de mal à personne. Paf, pif, oula, toi tu l'as bien senti la défonce. Hein. Alors Jean-Louis, voilà, tu lui laisses 1 centime. Et puis, là on a quoi, Amnésia? Non, non, c'est gentil, mais ça va. Non. Xeworld et la clé et le chou qui pète. Alors le chou qui pète, ça sera pour une autre fois les enfants, parce que on a déjà un petit peu marre quand même hein, des conneries là. Hein. Non, enfin, sérieusement, le chou qui pète, c'est nul. C'est nul. C'est comme, je ne trouve même pas de métaphore, c'est nul quoi. On peut pas faire semblant de dire oui c'est bien, on va l'accepter, on va le mettre dans la société, on va lui trouver un travail. Les gens vont se moquer de lui. Les gens vont se moquer de lui. C'est nul. C'est un boulet. Cet objet pourrait être bien, mais je ne sais pas encore dans quel contexte. Dans l'absolu, disons simplement que ce n'est pas ce qu'il convient de prendre en fait. Le sel. Rajoute du sel. Vas-y. Est-ce qu'on va par là ou est-ce qu'on va pas par là? Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on continue pas? Est-ce qu'on cherche la petite bête? Ah, ça c'est très très bien ça. C'est très très bien. Waouh! Oh la vache! C'était magique. Ce qui s'est passé. Waouh! Oh la vache! C'est sale, hein? C'est un peu sale, par contre. J'ai vraiment l'impression de maltraiter le jeu, là, quand même. Waouh! Waouh, 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 waouh! Ok. Eh bien, maintenant, vous savez ce qu'il me reste. Et là, c'est la bonne fin. Donc, let's do it and kill... Mam. Ah non, c'est le cœur de Mam. Direct, cadeau, comme ça. D'accord, d'accord. Ah non mais écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'aime beaucoup l'idée, hein, ça me plaît aussi. Oh, le cadeau. Yes. Ah non. Ah non, mais en fait, il faut que je me fasse Satan. Oh, je me rappelais plus. Donc, en fait, je dois me faire Satan. Bon, alors là, la question, c'est est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on fait le chest? Enfin, on fait le chest. Non, à ce moment-là du jeu, on n'a pas encore le chest. Est-ce que je fonce dans le chest? Donc, et je finis le jeu. Enfin, j'accède juste au générique. Et j'arrête.
Ou est-ce que je vais buter Satan? Que voulez-vous que je fasse? Réponse 1, je continue. Réponse 2, je ne continue pas. L'horloge tourne. L'horloge continue. Tic, tac. Tic, tac. Tic, tac. Tic, tac. Tic, tac. Tic, tac. Mais non, mais on parle pas d'une tente, chevalier, on parle de Satan. Bon Dieu de bon Dieu. Sa tente, ouais. Sa tente Ikea. Mais enfin, chevalier, il faut suivre un peu. On parle de tuer Satan ou de ne pas tuer Satan. Sa tente. Oh non, mon, oh non, en fait, je viens de comprendre. Je ne t'aime pas, chevalier. Je pense que je vais être fatigué parce que la vanne de chevalier, d'habitude, je comprends ça d'un coup. Et là, je me déteste. Je me déteste de ne pas avoir compris ça du premier coup. Rassure-toi, rassure-toi, chevalier. J'ai compris, mais j'ai compris avec tellement. J'ai tellement eu besoin de temps pour comprendre que c'est vraiment ridicule quand même. Oh la vache! Vous vous rendez compte? Vous rendez-vous seulement compte? C'est insoutenable. Alors là, l'objet aussi que j'ai en bas à gauche, en fait, il recharge ma barre. Satan, renote Satan, that is the question. Tout à fait, Marcel. D'ailleurs, nous nous posons dorénavant toujours cette question. Et nous n'avons pas la réponse, bien évidemment. Nous nous demandons perpétuellement ce que nous foutons ici. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que les salles nous disent? Qu'est-ce que les ennemis nous racontent? Qu'est-ce que ces objets veulent dire? Je n'en sais rien. Je me demande. Est-ce que les lois de l'univers sont pénétrables? Je ne sais pas. Et est-ce que je vais réussir à venir à bout de ces choses? Je ne sais pas. On va le faire comme ça. Voilà, ça va être plus simple. Parce que là, sinon, on va pas s'en sortir. Alors cette run-là, je pense que... Je ne sais pas combien de temps elle dure, mais à mon avis, je vais la mettre en deux parties hein, sur YouTube. Parce que vu le temps qu'elle me prend... Ah, mais c'est pas terrible, en fait, ça. Paf! Ça doit sentir la vulve de chamelle dans cette cave. Oui. Tout à fait, la vulve de Chamel. Comment dirais-je, je n'aurais pas su dire mieux en fait. Parce que bien évidemment, je sais ce qu'est une Chamel, hein. Je ne te le demanderai pas sinon, mais malgré tout, t'en as vu souvent des Chamel. Enfin, je veux dire, en réalité, nous savons tous les deux ce que c'est. Mais pourtant, la communauté scientifique s'interroge. Qu'est-ce qu'une Chamel? Est-ce que c'est la femelle du chameau, ou alors, bien plus étrange, est-ce autre chose? Je ne sais pas. Une petite fellation en tout cas, mais les pénétrés, qu'est-ce qu'ils racontent? Nous disons n'importe quoi, mais que dites-vous? Et que dit-il? Quelle est cette malédiction? Alors attends, là on va essayer de saisir le balai. Il faut saisir le balai. Voilà, c'est bon. J'ai le balai. Alors c'est qui lui? Ouais. C'est tout? Ah bon, bah, très bien. Ah, écoutez, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus... voilà. Non mais écoutez, comme ça. Alors, on va essayer de foncer sur Satan. Qu'est-ce que c'est que le truc? Oh, je déteste ces ennemis. En fait, il te fout une baffe. Je sais pas si vous avez vu. Il m'a foutu une baffe, en fait. Et j'ai moyennement apprécié. Je un peu vexé, même. Vraiment, je... Ok, quel grossier personnage, quand même. Voilà.
Oui, ça. Où t'as saisi le gros balai? Où t'as saisi? Où t'as saisi? C'est quelque de beaucoup plus étrange. Ça a une tête de lion, un corps de roumain et des ailes de pingouin. Un corps de roumain. C'est une chimère en fait. C'est une chimère slovaque. La première des chimères complètement inventée par l'humain. Une chimère vraiment extraordinaire. Cette chimère, nous ne la connaissons pas encore, mais elle nous connaît. Et je vous ferai dire qu'elle ne sait pas trop où est-ce qu'elle nous emmène. Oh là là, mais non, mais là on n'a plus aucune lumière. Hein. Éclairez-moi. Étonnez-moi, Benoît, étonnez-moi. Benoît, éclairez-moi, car je n'y vois plus rien. Sauf que maintenant j'y vois enfin. Donc ça ne sert à rien d'en parler. Alors, monstro. Allez, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ne t'énerve pas, ne t'énerve pas, ça ne sert à rien. Oh punaise. Arrête. Arrête tes conneries là. Arrête tes conneries, ça ne sert à rien. Arrête de faire beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qui sont ces gens? Pourquoi... Waouh. Donc tu vois, on peut encore voir des nouvelles créatures d'Antiburst. Ces choses n'ont pas l'air de savoir où elles vont. Voilà. Oh là 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 là! Oh là 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 là! Oh. Arrête de raconter des chimères! Bon, on va encore aller par là. Ouais. Voilà. Toi, tu me saoules. Oh, tu me saoules, toi. J'ai plus de vie, en fait. Oh, j'ai plus de vie! Oh, j'ai plus de vie! Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Alors là, on va être confronté à un problème. Je n'ai quasiment plus du tout de vie. Par contre, j'ai des dégâts hallucinants. Donc, en théorie, si tout se passe bien et si les astres s'alignent, surtout Saturne, hein, parce que je crois beaucoup en Saturne. Exactement, chimère slovaque vivant dans l'esprit de chacun de nous, c'est elle qui nous pousse à acheter des gens ou marcher pour afin de. Qu'est-ce qu'il raconte? Voilà. Qui nous pousse à acheter les gens au marché pour afin de les exploiter, pour créer du profit ou ramener Satan sur Terre. Voilà les enfants. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et faites de beaux rêves. Temporaire. Oh là là, je t'embauche immédiatement. Je manquais d'idées en tête, mais Saturne parent, voilà, merci Zé, parce que celle-là, je comptais la faire à un moment donné, mais je me demandais. Attends, non, non, il faut que je la sorte là, c'est pas bon là. Non, il faut que je trouve la bonne tournure. Mais voilà, comme Saturne parent, la tournure est arrivée. Voilà. Et ça, c'est une blague que je n'ai pas réussi à faire. Mais... Paf! 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 Voilà, je les assomme. Vous voyez, c'est tout con. Voilà. Là, c'est tout con. Vous voyez, comme quoi, très très facile. Hein. Oui, il suffit de faire comme moi. Faites comme moi. Vraiment, faites comme moi. Je n'ai plus que deux cœurs. Mais je le vis bien. Je le vis bien, je le vis bien. On dirait pas comme ça, mais je le vis vraiment bien. Ouais. Ah oui. Ah bah oui. Et c'est ainsi que nous transformâmes Satan en côte d'agneau. Et que, voilà, Isaac fut ravi. On le voit d'ailleurs sur sa tête, hein, il est ravi. Hein? Enfin, je parle de la petite boule rose, en fait, qui tourne tout autour. Elle a l'air ravie, hein. Enfin, on dirait. The Kerry 78 ne possède, je vais déguster ta chaîne Twitch. Eh bien, écoute, ravi que ça te plaise, Cartouche. D'ailleurs, je t'ai même pas dit bonsoir. Oh, salaud que je suis. Mais malheureusement, les amis, l'heure est venue de vous dire à tous. Bah, bonne nuit, quoi, en fait.
Une bonne année. Une bonne santé. Un bon appétit. Le joyeux Pâques, joyeux Halloween. La santé, l'argent. Le reste. Les armes à feu. Le Coca-Cola. L'Orangina. Le Jean Bonneau. Les pissenlits, enfin voilà. The Demon Tile. Oh, on a débloqué des choses, on débloque des choses. Merci. Merci, Cartouche. Je te remercie même avant que la notification apparaisse, tu te rends compte? Si c'est pas foufou. Joyeux Zoubloutouf. Eh bien, la mienne aussi. Et tant qu'elle accruche à l'eau, qu'à la fin elle se casse. Car le coca ouvre du bonheur. Et c'est sur ces derniers mots qu'on va se quitter, les amis. Du coup, il ne me reste plus qu'à remercier très très chaleureusement et chaudement Chevalion 2129, Delga, Delga06, que je n'ai pas eu le bonheur de voir parler, Cartouche 27, oh, et Zay84. Yeah. Et du coup, les amis, eh bien, bonne année. Et puis voilà. Merci d'avoir été sur moi. Sur moi. Attendez, qu'est-ce que je viens de dire? Merci d'avoir été sur moi. Merci d'avoir été avec moi. Et puis je vous dis à très bientôt. Je préfère qu'on dise 21-29. Eh ben on fera comme ça, non? On fera comme ça la prochaine fois. 21-29. Sur ce, les amis. À très bientôt. Tchuss.